quand la Tunisie, post-révolution, tente à revenir tout doucement à la Tunisie de Ben Ali. La démocratie est fragile dans le pays et les tentations sécuritaires notamment reviennent en force au Parlement. La société civile alerte sur deux projets de loi débattus actuellement à l'Assemblée tunisienne. Une loi sur l'état d'urgence, une autre destinée à protéger les forces de l'ordre. Si elles passent la rampe, ces lois risquent de provoquer un sérieux retour en arrière. Notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier. Ben Ali en rêvait, la Tunisie post-révolution risque de le faire. Au nom de la lutte contre le terrorisme, le Parlement doit se prononcer sur des projets de loi liberticides et qui donneraient les coups des franches aux policiers. Près de 10 ans après la révolution, les abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre sont monnaie courante. Ce jeune homme, comme des milliers d'autres, est constamment harcelé par les policiers, soupçonné de terrorisme, totalement blanchi depuis, mais les policiers continuent de le persécuter. J'étais arrêté pendant 8 jours. Tu ne peux pas dormir, pas de nourriture. Minimum 6-5 policiers te ramènent vers la chambre juste pour la torture. Ils m'ont frappé avec des chocs électriques partout, les insultes, les bâtons. C'est un cauchemar. Que les policiers puissent bénéficier d'une plus grande protection encore l'ulcère. Hélène Leger, directrice juridique de l'Organisation mondiale contre la torture à Tunis, résume. Ça passe ou ça casse. Avec l'ensemble de la société civile et les militants des droits de l'homme, elle se bat corps et âme contre ces projets de loi. C'est effectivement très alertant. On ne sait pas si on va revenir à un état sécuritaire fort comme c'était le cas dans le passé ou si la Tunisie va être en capacité de poursuivre son cheminement vers la constitution d'une vraie démocratie. Le comble, ce qui risquent de faire passer ces lois aujourd'hui sont ceux qui, à l'époque de Ben Ali, souffraient des abus policiers, les islamistes. Maureen Mercier.